m'appelle Issa Kouyaté. J'ai créé une association qui s'appelle Maison de la Gare. Et la vie dans la rue est très, très, très difficile pour les enfants allant de 4-5 ans à 10-15 ans. Parce que là, ils sont victimes, mais ils ne savent même pas qu'ils sont victimes. Ils ne le savent absolument pas. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a, le combat prochain, c'est juste comment faire pour qu'il y ait une application de la loi. Si cette loi est appliquée, sûr et certain que la police, la gendarmerie, les corps diplomatiques tels que la justice, eux vont dire que cette loi a été mise par le gouvernement. Voilà le décret qui est sorti pour qu'il soit appliqué. Donc il faut qu'il y ait cette application de la loi pour que tout aille bien. Nous voyons des cas d'abus sexuels, nous voyons des enfants qui sont noyés dans le fleuve, nous voyons des enfants qui ont disparu par le biais d'autres enfants qui les ont donnés en disant qu'il y a une voiture qui était là, il l'a pris dans la voiture, ils sont partis. Nous voyons mais tellement de cas qu'à la longue, quand nous parlons de ces cas à la police, ils vont dire que non, ce n'est pas vrai. C'est ça qui m'a poussé à vraiment charger mes batteries pour prendre ces enfants de la rue en premier, pour les amener chez moi, vivre avec eux et ensuite créer cette association-là pour venir à bout et créer des dormitories et voir comment faire pour que ces enfants-là vivent de façon normale comme nous.